Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Dans la vie, un humain, un vrai, doit avoir des raisons pour lesquelles il donnerait sa vie. Ah, il y a des choses pour lesquelles tu sacrifierais tout ce que tu as, tout ce que tu es. Ta force, ta paix, ton bonheur, ton existence. Mais que cette situation ne se passe pas comme ça. En tout cas, s'il n'y a aucune raison pour laquelle tu donnerais ta vie. Quelqu'un a dit peut-être que tu ne mérites pas d'être là. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites qu'on ne peut pas franchir. Il faut savoir se donner de la valeur, se donner le respect. Le monde ne peut vous traiter que comme vous apprenez au monde comment vous traitez. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traitez. Vous savez, dans la vie, beaucoup de personnes font des erreurs en se vendant moins cher, dans des situations où on peut peut-être en sortir quitte, ne rien gagner, mais garder l'honneur. Il n'y a rien de plus important que l'honneur dans la vie. Rien du tout. Hein? Rien de plus important que l'honneur. On peut avoir beaucoup d'argent, mais si on est quelqu'un qui tombe dans les rues, toujours ivre, toujours dans les histoires des femmes, on ne va pas vous respecter. On peut avoir beaucoup d'argent, mais si on est le genre de personne qui n'a aucun respect pour les autres, une personne malhonnête, c'est difficile d'être respecté. L'honneur est très important. Vous pouvez ne rien avoir dans la vie, ne pas avoir de quoi payer la maison. Mais du moment que vous savez que si vous demandez à quelqu'un, il vous manquera de respect ou votre honneur diminuera. Il y a des moments où il faut dormir dehors. Hein. C'est ça un homme, un vrai. Je vous ai toujours dit qu'il y a des moments où il faut, comment dire, il y a des moments où il faut se courber pour avoir certains avantages. Mais on ne peut pas se courber pour toujours. Pour que quelqu'un vous monte dessus, il faut courber votre dos. Vous devez avoir le dos courbé pour que quelqu'un ait le courage de vous sauter dessus. C'est ça dans la vie. Il faut avoir le respect. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'es pas employé, tu es bien habillé, propre, tu ne demandes rien à personne, tu as des difficultés, mais tu n'es pas un quémandeur, on sera obligé de te respecter. C'est comme ça. Mais si tu as quelque chose, tu as de quoi manger, mais tu veux seulement aussi avoir des avantages venant des autres, tu es toujours le premier à aller demander de l'aide, même quand tu n'en as pas vraiment besoin. Même quand tu peux payer, mais tu ne veux pas payer pour sauver ton argent. Tu préfères laisser les autres, laisser aux autres cette charge. On ne peut pas te respecter. Finalement, on te connaît. Même si les gens ne le disent pas, finalement, on commence à dire, ah, lui là, c'est ça. Ceci est valable en tant que peuple. Ceci est valable en tant qu'individu. Ceci est aussi valable en tant que pays. Vous savez, il y a des stéréotypes attachés à beaucoup de pays. Vous le savez, souvent on dit, ah, les gens de ce pays-là, ils sont comme ça. Ils sont voleurs, malhonnêtes, orgueilleux, ou je ne sais pas moi, manipulateurs. Vous entendez dire ça souvent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est totalement vrai? Non, ce n'est pas totalement vrai. C'est stéréotypé? Oui, c'est stéréotypé. Mais est-ce totalement faux? Absolument pas. Si on dit que ces gens de ces pays-là sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'un grand nombre de ces gens-là sont comme ça, ce n'est pas totalement un mensonge. Ce n'est pas totalement un mensonge. C'est bien de dire, ah, c'est cliché, stéréotypé. Ah, ouais, d'accord. Cliché, stéréotypé, sont des mots choisis spécifiquement par des personnes qui veulent excuser des bêtises, très souvent. Je dis très souvent. Mais en réalité, quand on fait des reproches par rapport à un groupe spécifique de personnes, c'est souvent parce que beaucoup parmi ce groupe de personnes se comportent d'une certaine façon. C'est ça qui est la réalité. Et ça, on a du mal à accepter, du mal à consommer, du mal à avaler. C'est bien triste, les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet intéressant qui nous concerne tous. Le respect. Le respect. Le respect est important. Vous savez, l'Europe a fait beaucoup de choses horribles vis-à-vis du monde, spécifiquement la Grande-Bretagne, qui est partie en conquête, entre parenthèses, comme si chez eux, ça ne suffisait pas. Ils sont partis en conquête en Inde, où ils ont fait des atrocités avec des Indiens, incroyablement chez eux, piétinés, assujettis, asservis. Ils sont partis en Afrique, ils ont répliqué la même histoire, incroyablement. Détruit des cultures, ils ont colonisé, enchaîné, bloqué. Vous connaissez l'histoire. Ils sont partis en Amérique. On a fini les Amérindiens. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Il y a eu des gens dans le Caraïbe. Certains pays ont réclamé réparation vis-à-vis de l'Europe. Réparation à cause de l'esclavage. On a demandé réparation.
On a dit, les esclaves, les noirs ont subi beaucoup d'atrocités, beaucoup de méchancetés. La ségrégation, l'apartheid, l'assujettissement. On a quand même droit à une réparation, n'est-ce pas? Ne vivons-nous pas tous dans un monde d'évolué, comme vous le dites très souvent? Le monde libre. Quand on s'attaque à la Chine, on parle du monde libre en faisant allusion à l'Occident. Le monde libre. Il faudrait quand même compenser ceux-là qui ont subi l'esclavage. Si pas directement, au moins ceux qui ont directement été victimes de ces choses. La réponse de David Cameron, c'est ça que David Cameron, le premier ministre anglais, était froid, glacial et brutal à la fois. Il dit, je pense qu'il est temps qu'on commence à penser à autre chose. Avec tout ce qu'on a traversé ensemble. Comme si on avait traversé des trucs ensemble. Il dit, il est temps. Il dit, il est temps de passer à autre chose. D'après lui, je pense que l'assomption que la réparation pourrait changer quoi que ce soit est complètement incohérente. Je ne pense pas que la réparation soit la meilleure façon d'agir en ce qui nous concerne. Hein, oublions le passé, laissons le passé au passé, progressons, évoluons, regardons le futur, avançons. Ouais, il fait noir ici, je sais. Quel manque de respect. Oublions les passés, avançons. Oublions les passés, les pillages, l'esclavage, l'assujettissement, l'apartheid, avançant, regardons le futur. Qui d'autre a accepté ça? C'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre parce que nos frères là que vous connaissez, les après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, ils ont eu réparation. Réparation de l'Allemagne pour tout ce qu'ils ont subi. Alors, on a réparé, on a payé financièrement, on a payé toutes les pertes de logistique. Des immeubles, des bâtiments qui leur appartenaient ont été remboursés d'une façon ou d'une autre. Bizarrement, quand il s'agit de vous, hein, les mélanodermes, écoutez, on s'est fait beaucoup d'atrocités, voilà, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, il faut penser à autre chose. C'est impoli, c'est un total manque de respect. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, l'homme noir attend toujours d'être accepté, toléré, reconnu par l'homme blanc. C'est ça. Nous sommes toujours là en attente d'être reconnus. Ah, je vais finalement avoir mon visa. Ah, je vais finalement avoir mon passeport allemand, mon passeport anglais. Ils le savent. Ils veulent vivre chez nous, mais ne veulent pas votre passeport. Mais nous, on prie. On fait même des combats. On se bat, on lutte, on s'entaille les cœurs, les esprits pour avoir un papier de là-bas. Quel manque de respect. Non, 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 il faut oublier le passé parti. Et vous savez ce qui m'a choqué encore le plus, c'est quoi? Dans les années 1800, c'était la fin de l'esclavage, officiellement, n'est-ce pas? Pour accepter, il y avait 18 000 maîtres, des gens qui possédaient des esclaves anglais à l'époque, qui étaient obligés d'arrêter de pratiquer ce qu'ils pratiquaient comme système, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ils ont été compensés et réparés pour perte de biens, perte humaine, perte en biens, perte en matériel. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit? Donc, les Anglais, les maîtres anglais, ont reçu compensation venant de leur gouvernement pendant toutes ces années. Une compensation qui vient à peine de s'arrêter en 2014. Et vous savez qui payait ça? On payait cet argent à travers l'argent de taxes. Hein, pour toutes les personnes qui vivent en Angleterre et qui payent le taxe, oui, vous avez bien payé le taxe. Vous avez bien payé ces maîtres esclaves, ces vendeurs d'esclaves, leur compensation. C'est vous qui avez payé ça. Et c'est le ministère de Treasury, de Trésor, qui a tweeté disant « Merci à vous pour avoir assisté à la réparation due au maître esclave, je ne sais pas comment on les appelle, qui a finalement été abouti. » Et après, ils ont effacé leur tweet. Vous comprenez pourquoi je dis dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Il faut savoir se mettre à sa place. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Nous sommes assujettis, asservis, opprimés, oppressés. N'oubliez pas où vous appartenez. N'oubliez pas votre origine. Hein, tout le monde n'est pas raciste. Tout le monde n'est pas méchant. Mais beaucoup le sont là-bas. On ne vous considère pas. Vous êtes traités comme des animaux. Comme des gens sans importance. Des citoyens de second rang. Mais vous voulez toujours continuer. Hein, globalisation. Qu'est-ce que vous avez chez vous? Vous avez quelque chose chez vous? Ou on peut dire ça, c'est pour lui. C'est pour elle. Ça existe. Mes frères et sœurs, il faut se réveiller. Ce que vous faites là-bas, vous pouvez aussi faire chez vous. En tout cas, voilà. Le respect, l'honneur. On n'a pas d'honneur.
Contrairement aux Blancs, vous savez ce qui s'est passé au Zimbabwe? Le Zimbabwe a décidé de compenser les terres qu'ils ont prises aux Blancs. Vous savez que le Zimbabwe avait retiré des terres des Anglais, hein, des terres qui ont été remises aux citoyens zimbabwéens après la colonisation. On a dit, ok, on va, enfin, pas la colonisation, avec le président Mugabe. Ils ont récupéré leurs terres, des fermiers blancs, et ont donné aux Noirs pour travailler. Et après ça, le Zimbabwe a traversé un moment complètement difficile. Mais vous savez ce qui s'est passé dernièrement? Le nouveau président zimbabwéen, Mangwanana ou quelque chose comme ça, a dit, bon, nous acceptons finalement, on va payer réparation à tous les fermiers blancs à qui on a retiré leurs terres. Pourquoi sommes-nous obligés de faire ça? Si on nous montre clairement que nous ne valons rien, comment voulez-vous qu'on nous respecte? Ce n'est pas possible.